De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue, une autre journée, troisième épisode de cette semaine de quoi tu parles de mon nom est Nicolas Bonnette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Aujourd'hui, on reçoit de la royauté musicale franco-canadienne. Franco-anglophone aussi. Franco-anglophone, anglo-canadienne. Franco-anglophone. Je voulais dire anglo-canadienne. C'est moi et puis les mots de vocabulaire, c'est mon fort. C'est tough. Ah. Des fois, c'est dur à parler. Oui. Ça arrive. Il y a des journées que tu fais, aujourd'hui, c'est plus difficile. Peut-être choisir de mauvais métier pour que j'aie des journées difficiles. C'était là que je m'en allais, c'est quand même drôle. Mais Bobby Lalonde, oui. Royauté musicale, qui fait la musique depuis qu'il est tout jeune. Oui. Tout jeune. Pratiquement depuis qu'il est né. Je pense qu'il est né avec un violon dans les mains. Sa mère, elle l'avait. Ils ont coupé le cordon ombilical, puis ils ont fait « Voici un violon ». Let's go, Orange Blossom! Bobby Lalonde, notre invité aujourd'hui, vous le connaissez sûrement de Garoulou aussi, d'où que plusieurs personnes le reconnaissent en francophonie. Oui. Bien qu'il y avait des projets avant ça, c'est pour les plus vieux. Vous l'avez déjà vu à la télé, vous l'avez vu dans des films, vous l'avez vu en concert, peut-être qu'il a joué pour de vos danses quand vous étiez jeune. Ça se pourrait. Vos premiers flirts, t'sais, vos premiers slows, c'était Bobby au violon. Mon premier slow, c'est Bobby Lalonde qui me l'a joué. Sinon, grosse carrière en anglais, country, des numéros 1 à pu finir. Adam en avait parlé que voir son père à la télé faire des entrevues, parler de ses numéros 1, c'était comme quotidien. Oui, c'était comme, normal pour lui. C'est normal que papa est à la télé et qu'il gagne des prix. Parce qu'il est bon. Oui. Mon papa, il est bon, fait qu'il va gagner tous les prix. Oui. Lui, il disait, mon père, c'est le meilleur, puis il avait raison. Oui. des tournées, on parle de Garoulou, aussi avec la tournée Keb Rock. Qu'il avait fait Québec Rock. Québec Rock. Keb Rock. Maintenant, s'il en avait une, ce serait Keb Rock. Ouais. Keb Rap. Avec Offenbach, qui a commencé avec ses frères Lalonde. Oui. Et qui a ensuite été joué avec d'autres Lalonde. Oui. Mais pas par pas ses frères, non. Non, c'est juste les Ontariens, des petits consanguins. Les Lalonde, il y en a beaucoup. Oui, beaucoup trop. Oui. Ça, puis des Séguins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Séguins aussi. C'est les deux affaires. Des Deguire aussi. Deguire, j'ai jamais rencontré quelqu'un. C'est plus Alexandria S. Ouais, on ne s'est pas traversé la traque. Non. Non. Ils ont arrêté ça là. Ils ont arrêté à McRimmon. Ils ont pas continué. Ils ont vu le Herbs, ils ont dit non merci. Non merci. Ils ont retourné de bas. C'est bon, c'est de la 417. mais très haut du jasé, c'est un gros nom. On espère faire au moins effleurer une partie de sa carrière. Une partie de sa carrière. On l'a mis depuis le début, comme depuis la première semaine, je pense, que Bobby était là. Oui. On s'est dit, on va essayer d'avoir un certain poids avant d'y demander. Ça a juste pris 110 épisodes. C'est ça, exactement. Mais là, on est là. Une petite confiance de 110 épisodes. On va se bâtir une confiance pour demander à Bobby. Mon chum Bobby, s'il veut venir. Mais là, c'est ça, sans plus tarder, on parle à Bobby Lalonde. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Zing-a-zing. On parle un des rois de la musique country, de la musique folk, de la musique point barre. Tant en français qu'en anglais. Il y a eu des numéros 1 en anglais puis en français. Tout un honneur de le recevoir aujourd'hui à l'émission. De quoi tu parles de Bobby Lalonde? Ça va bien? Ah, Nicolas, Marc-Antoine, ça va très bien. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, félicitations. Vous avez célébré votre centième émission récemment. Regarde, j'ai vu ça. J'ai même une photo. C'est malade. Ben merci, Bob. T'es vraiment fin de nous dire ça. 100 épisodes. On a eu, pour les gens, pour contextualiser les gens, on a eu aussi Adam Lalonde, qui est ton fils, oui, qui nous a appris essentiellement que tu lui as créé une carrière en musique en lui disant « Hey, si je t'achète un bon drum, est-ce que tu serais un drummer? » Et il a accepté. Puis je te dirais merci pour ça, pour moi aussi, parce que j'ai eu la chance de jouer avec Adam souvent, mais pour plein d'autres mondes qui jouent avec Adam, ils sont super chanceux d'avoir un aussi bon batteur et, on va dire aussi, un bon gars, un bon chanteur. On ne sait pas quand la carrière solo arrive, mais elle s'en vient, je pense. Mm-hmm. Fait que on va besoin de ton aide pour que tu pousses là-dessus. Bien, je t'avoue que cette conversation-là, je l'ai eue assez fréquemment avec Adam. Tu sais, Adam, c'est pas un gars qui c'est pas un gars qui est loud, c'est pas un gars qui est dans ta face. C'est un gars qui il prend un pas de recul tout le temps, puis il est poli dans ses affaires. Puis moi, je dis, Ad, si tu veux faire ton affaire, il faut que tu pousses, tu sais. Mais il dit, je
pas le gars à aller faire des entrevues puis tout ça. T'sais, moi, j'aime ça faire de la bonne musique, faire des voix. Fait que c'est cool. T'sais. En fin de ligne, quand on aime ce qu'on fait, on est dans la parade. That's it. C'est ça qui est le fun. Quand on aime, c'est ça qui est important quand on aime ce qu'on fait. Mais je pense que toi, tu as vécu ta vie à faire les choses que tu aimais. Puis moi, je veux savoir les débuts de Bob Lalonde. Évidemment, j'ai eu la chance de travailler avec toi. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup d'histoires. On a eu des belles journées ensemble. Mais là, je veux savoir, mettons, Bobby qui commence à jouer de la musique, ça ressemble à quoi? C'est quoi l'environnement? Comment tu t'es... t'es-tu né avec un violon dans tes mains, essentiellement? Ben, par peur d'ennuyer les gens, je vais faire ça très court, mais j'avais 2 ans et demi quand on m'a donné un violon. Et puis, je pensais que je jouais. Parce qu'à chaque fois que je ramassais mon violon, c'est parce qu'un de mes oncles était chez moi, chez mes parents, puis ma mère au piano. Puis moi, je pense que je joue du violon. Mais à l'âge de 4 ans, je réalise que je sais pas jouer. Mais je joue juste bien quand mes oncles sont là. Ça, c'est une vérité. Donc là, je suis insulté. J'arrête de jouer jusqu'à l'âge de 8 ans. Mais j'ai déjà une formation parce que je joue. Tu sais, je jouais des choses dans ma tête. À l'âge de 8 ans, alors que ma mère a passé quelques mois à l'hôpital pour une condition assez sérieuse, je ramasse le violon parce que je m'ennuie. Et puis, quand elle est revenue de l'hôpital, j'y ai joué 12 pièces. Puis elle capotait, puis c'était un peu ça qui était le début. Ensuite de ça, mes frères ont commencé à jouer. On avait un band qui s'appelait les Four Sons. Oui. Et puis, on jouait pour des danses pratiquement toutes les fins de semaine, de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 16-17 ans, quand j'ai laissé mes frères pour me joindre à Garoulou. Et ça continue. C'est fou, ça, de savoir que tu as commencé avec tes frères, puis après ça, tu as été avec du monde avec le même nom de famille, mais c'était pas tes frères. C'était un prérequis pour être dans un band. Faut qu'il y ait au moins 2-3 Lalonde. C'est ça. Je me sentais plus safe jusqu'à temps que je les connaisse. Une fois que tu les connais, tu dis « Ouais, finalement, c'était peut-être mieux avec mes vrais frères. » Non, mais c'est vraiment... Quelle influence! Ah, c'est malade. Mais là, justement, d'avoir fait ça avec tes frères pendant autant d'années, vous avez fait des albums, hein, si je me souviens bien, vous avez indiqué des trucs? On a fait 3 albums ensemble. Tu sais, ces années-là, c'était bien différent, tu sais. Les disques London, j'avais une gérante qui m'avait approché quand je faisais de la télé à l'âge de 10-11 ans à Télémétropole à Montréal. Et puis, elle m'approche et elle me dit « Hey, mon petit Lalonde, elle dit, c'est bon. » Elle dit « Je vous amène en studio, les Lalonde, puis on va vous faire une audition avec les gens des disques London, puis M. Pointu, puis quelques autres personnes. » Fait qu'on s'amène en studio, on s'en va faire une audition, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Fait qu'on colle les tunes à mesure. Fait que là, je dis, ben, en deux, les boys. Fait que je pars une tune, on fait une tune, elle sort de la boîte de contrôle, elle dit, on fait un album. Wow! OK, on fait un album. On fait un album. Fait que le premier album signé avec les disques London, un contrat de 3 albums, c'est un album qu'on a fait au pif. On a coupé ça en 2 heures. Tout live, off the floor. Puis c'est ça qui est le premier album de Bobby Lalonde, volume 1. Voilà. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En 2 heures, Bob, il y a des gens qui font même pas genre des basses en 2 heures à cette heure, tu comprends? Mais tu sais, on jouait tout le temps ensemble. On jouait toutes les fins de semaine. On avait quand même un répertoire, mais on n'avait pas... je pense même pas qu'on a... Oui, j'ai fait un original sur cet album-là, une pièce que j'avais composée. Mais le restant, c'était des covers, parce que c'est ça qu'on jouait toutes les fins de semaine quand on faisait des parties, des noces, des carnavals, des ci, des ça, des festivals. Fait qu'on avait un répertoire. Fait qu'on se collait des tunes au fur et à mesure. Puis quand on a eu 10 tunes, j'ai dit, voilà, on a l'album. Puis Mme Croft, notre gérante, elle applaudissait. C'est bon, les boys, c'est il bon. Il restait plus de tape, c'est ça, Bob? quelle époque, hein? Oui, vraiment. 3 albums avant l'âge de 17 ans aussi. Ouais, oui, quelle époque. C'est fou, ça. Il y a du monde qui n'a pas 3 albums, puis ils ont 60 et 17 ans, ouais, tu sais. Exact. Puis ils ont commencé à 17 ans à faire de la musique. Mais Bob, tu as eu une carrière vraiment, vraiment jeune. Comme... Je,
Oui, je vous avoue que je dirais, moi, tu sais, dans nos carrières, là, ce que vous faites, vous autres, les boys, aujourd'hui, là, il y a toujours un point qui tu sais, tu tournes, tu prends la bonne route. Moi, ma bonne route, c'était ma chance d'être bien entouré. Mm. Mes parents ont été amis avec des gens qui étaient vraiment bons dans l'industrie. Des Johnny Mooring, des Graham Townsend, des Don Messer. C'est peut-être des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais c'était des kings dans l'industrie à ce moment-là. Puis, ils étaient des amis de ma famille. Mm. Fait que Graham Townsend, il venait passer des fins de semaine chez moi. Fait que moi, j'avais 13-14 ans, fait que j'écoutais dessus. J'avais les oreilles arrangées comme ça parce qu'il y avait tellement de musicalité, ce gars-là. Fait que à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire des sessions pour les autres gens à Montréal, à Ottawa, à Toronto. Mon nucleus grandissait au fur et à mesure. Fait que oui, j'avais beaucoup d'expérience par le temps que j'ai laissé mes frères pour aller faire Garoulou, faire bien des sessions à Montréal. J'avais déjà passé tellement de temps avec les meilleurs profs au Canada. Ouais. Parce qu'ils étaient des amis de ma famille. Fait que, moi, c'était ça, la grosse partie de mon éducation. Puis ma grosse chance dans ma carrière musicale, c'est d'être bien entouré. Mmh. Wow. Le fait que tu as fait tout ça, puis là, t'es tombé, là, on va parler de Garoulou un peu. Comment ça s'est fait, ton intégration dans Garoulou? Parce que Garoulou, il avait fait déjà un petit bout de chemin, puis je pense que tu t'es joint à ça, si je me souviens bien, c'est ça? Le mot « joint », c'est un bon mot. C'est parce qu'à Dunvegan, il y avait eux autres, les deux frères Lalonde, il y avait un genre de place qu'ils louaient, puis ils appelaient ça « the joint ». Donc, on peut s'imaginer, en 1976, ce qui se passait là-dedans. Puis moi, à l'âge de 15-16 ans, j'ai rencontré ces deux frères-là dans cette situation-là. Mais moi, j'étais pas un gars de joint. J'étais un gars qui jouait du violon, puis j'ai rencontré. Puis musicalement, on s'est vraiment quelques reprises. Puis pas longtemps après, Michel Lalonde du groupe Garoulou s'est en allé à l'île du Prince-Édouard, puis il a appelé son frère. Il dit, viens me rejoindre. On a des boys ici qui jouent très bien. Il y avait Steve Naylor, puis il y avait George Antoniak, qui étaient des musiciens incroyables. Qui se sont joints au band, puis ils ont commencé quelque chose. Puis quand ils sont venus à Morin Heights, au studio, ils m'ont appelé pour aller faire les violons. Fait que je me suis ramassé là à l'âge de 16 ans, puis c'est comme ça que ça a commencé. Les gars ont dit, mais j'ai 16 ans, si je suis encore au secondaire. J'ai laissé ma 13e année en plein milieu de l'année pour m'en aller en tournée avec Garoulou. Ça, c'était la tournée rock, hein? Avec Offenbach. Québec tout rock, ça? C'est ça? Québec rock? Ouais, on était là-dessus. J'ai fait, dans le temps, on jouait souvent avec les. Moi, j'appelle ça les gros groupes québécois. Là. T'avais Offenbach, t'avais Beau Dommage, t'avais Harmonium, puis Garoulou. C'était ces groupes-là que t'entendais à la radio le plus souvent. Wow. Un des spectacles que je me souviens, j'oublierai jamais, il appelle ça la fête des voisins à Laval, 150 000 personnes dans une carrière, c'était le soir des groupes. Il y avait le soir des masculins, les chanteurs, les chanteuses un autre soir, puis l'autre soir, c'était les groupes. Ah. Puis le soir des groupes, il y avait Harmonium, Beau Dommage, Garoulou. Wow. Donc, une belle expérience à 17 ans à ce moment-là. 17 ans, 150 000 personnes. Tu as déjà, à ce moment-là, 4-5 albums à ton actif. Tu as joué du violon pour encore plus que ça parce que tu faisais des sessions de violon. Parce que les gens, souvent, ils vont connaître ton histoire, ta carrière, le fait que tu as joué dans plusieurs groupes, dans plusieurs affaires, mais tu fais aussi des sessions pour des gens. Puis moi, je pense que ça, c'est impressionnant parce que ça, je sais même pas si tu es capable de les compter, Bob, le nombre de sessions que tu as faites. C'est impossible de les compter, puis c'est un très bon point, très bonne question, puis je vais te dire pourquoi. Je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais dans ce temps-là, quand la compagnie RCA de Toronto t'appelait pour aller jouer pour, puis je nommerai pas le groupe ou l'artiste, t'allais là, tu prends l'avion, tu vas faire ta session, ton nom paraît pas sur l'album parce que c'est le groupe, right? Ouais. Fait que c'est le même que c'était dans le temps. Puis, tu sais, dans les 60 puis dans les 70, c'était pareil. Si tu regardais qui a joué sur les albums des grands dans ce temps-là, que ce soit les Beatles, The Who, tu sais, il y avait toujours des invités qui allaient jouer puis rajouter des choses là-dessus, tu sais. Mm.
Fait que c'était un peu ça. C'est pour ça que je me suis ramassé sur ben. Et non, je ne pourrais pas compter le montant d'albums. Moi, je dis tout le temps 500 albums, mais. C'est sûr. Moi, dans ma tête, c'est probablement même plus que ça. Parce que, comme je te dis, dans ce monde-là de gens qui se font payer pour jouer, oui. Là, des hired guns, comme on dit, il y a aussi le fait que des fois, tu te fais payer pour pas dire que tu as joué sur tel album. Ouais. Bob, c'est quelque chose qui est fait souvent, je pense. Le maître des NDA. Exactement. Il remplaçait le joueur de violon qui faisait moins la job. C'est ça. T'es... Ouais. Ouais, là... Le joueur de violon, il est trop laid. On veut pas s'associer avec l'album. Oh, c'est bon ça. Mais c'est excellent. De faire tes débuts avec tes frères et ensuite aller de guerre au loup puis commencer à 17 ans de jouer, comme tu viens de le dire, devant 150 000 personnes. Tu te souviens-tu à l'époque, ce feeling-là de comme... Quand t'es jeune, tu te sens aussi un peu imbattable. T'as la jeunesse derrière toi puis là, tu fais... Je suis déjà au summum et j'ai 17-18 ans. Je ne l'ai jamais vu comme le summum. La raison pour ça, c'est que, tu sais, quand tu es dans... Puis vous comprenez ça, vous êtes là, vous autres, dans vos carrières. Quand tu es tellement dans le jus, là, tu vois juste ça comme, aujourd'hui, c'est ça que j'ai à faire, tu sais. Je suis dans Garoulou, j'ai une session après-midi. Cette semaine, j'ai deux émissions à Radio-Canada de Midi Plus à faire. J'ai Fait que la vie roule comme ça. Fait que, tu sais, tu t'arrêtes pas pour dire « Waouh, je suis rendu là ». C'est jamais ça. C'est toujours « Est-ce que je fais bien ma job ce matin? Ma session est-tu bien faite? » J'espère que demain, je joue avec tel directeur musical à telle émission. J'espère qu'il va aimer ce que je fais, puis que je vais pouvoir y retourner, puis faire mon mieux. Tu sais, c'est toujours ça le feeling, plus que je suis rendu là. Tu sais, t'es jamais rendu là, je pense, dans ta tête. Ben non, jamais. Puis à la fin, ce qui est drôle, c'est que tu t'espères toujours, tu dis, j'espère que je vais avoir un autre gig la semaine prochaine. Parce que tu le sais jamais dans ce métier-là. Et voilà. Ça... Oui, puis ça n'a pas changé, hein, Marc? Non, ça n'a vraiment pas changé. C'est la même chose qui reste encore. Mais tu as parlé de faire de la télé, et moi, j'ai une histoire, je sais pas si tu vas vouloir la dire, fait que c'est correct, sinon, mais un moment donné, je pense que vous étiez avec Garoulou, vous vous êtes fait demander de jouer. Si je me souviens bien, je vais pas nommer la station, ça va être plus facile, mais ils vous ont demandé de jouer par-dessus votre enregistrement. Et toi, et si je me souviens bien, le bassiste du band, je pense, c'est Garoulou, vous vous êtes plugué d'un à l'autre entre les instruments? Ouais, c'était un petit peu notre façon de dire, tu sais, c'est pas cool, tu sais, on veut jouer live, on a un band qui est capable de jouer live, puis, mais pour accentuer l'affaire un peu, Marc, oui, c'est vrai, moi, j'ai branché ma guitare dans la bass, mais avec un fil d'accordéon que tu voyais sur l'écran. Est-ce que tu as déjà vu ces images-là? Ouais, là, mon swing puis le fil, je l'ai vu tout de suite après qu'on a fait l'enregistrement. On est allé dans la salle de contrôle et puis c'est sûr qu'on l'a vu. Puis c'était pas une petite émission. C'était une émission qui était, tu sais, qui jouait dans les heures de pic, là. Puis, en tout cas, c'était pas mal drôle. Ah, j'aurais tellement aimé ça, voir ça. Faudrait qu'on trouve les archives. Parce que dans ma tête, c'est un statement incroyable, ça. Le fil qui swing, deux gars qui bougent en tandem. Ah, tu sais, comme c'est parfait. C'est tellement drôle. En même temps, ça prouve, tu sais. T'es comme, non, nous autres, on était capables de jouer live, tu sais. Si jamais vous voulez faire les recherches, je vous donnerai en privé toutes les infos. OK, parfait. C'est super, ça. Ça serait parfait, oui. Mais là, ta carrière avec tes frères, carrière avec Garoulou, puis là, t'as eu une grosse carrière où t'as eu beaucoup de numéro un, comme Bobby Lalonde, t'étais tout seul à faire de la musique en English. Oui, quand j'ai, après Garoulou, j'ai commencé mon band, Bobby Lalonde Band. Et puis, il n'y avait pas de choix ou de décision politique qui s'était faite. C'était juste, tu sais, mes parents ont grandi à écouter du country américain. Puis, cette influence-là, elle n'était pas perdue sur moi, tu sais. Fait que c'est un petit peu pour la raison pour laquelle j'ai fait carrière en anglais, mais je faisais un petit peu de français aussi. Mais au Canada, le Canada anglais avait une industrie
plus forte au country à ce moment-là qu'au Québec. Puis, je dirais que c'est magnifique parce qu'aujourd'hui, ça se renverse un peu. Le country au Québec, ça augmente beaucoup. Oui. Je le vois par l'entremise de ce que mon fils Adam fait et plein d'autres artistes. Mais c'est un peu pour ça. Fait que j'ai fait Bobby Lalonde Band au début des 80, aller jusqu'à quelque chose comme là. Puis là, ça commençait un petit peu à modérer parce que ça me tentait un petit peu moins d'être sur la route constamment. Puis avec l'âge de mes enfants à ce moment-là aussi, je voulais être un petit peu plus proche de mes chaussettes. T'sais. Fait que c'est un peu la raison. Puis pour Bob, c'est quelqu'un de très modeste, il ne veut pas le dire, mais Bob, il a enregistré ces albums-là à Nashville. Avec les grands. Si je me souviens bien, tu as le bassiste de Toto qui a joué sur ton album. Ouais, c'était aussi une belle partie de mon éducation. À Nashville, dans ces années-là, tu pouvais embaucher ces gars-là pour une session. Des fois, il appelait ça une session double, mais tu pouvais appeler ces gars-là. Dave Hungate, qui jouait les choses avec Toto, John Willis, sa guitare, David Briggs, qui jouait avec Elvis pendant 11 ans, qui appartenait à House of David à Nashville. C'est tous des musiciens avec qui j'ai eu la chance de travailler. Puis c'était des joueurs de la mort. Puis ça, c'était... Tu sais, je pensais que j'avais beaucoup d'expérience en studio, mais après avoir travaillé avec ces gars-là, puis voir ce qu'il était capable de sortir dans une journée en studio, c'était malade. Tu sais, c'est tellement rapide. Tu arrives avec tes charts, tu les expliques la pièce un peu, puis David Briggs avait une bonne ligne. Il faisait une take, puis elle était écœurante, mais il en faisait une deuxième parce qu'il y avait un petit quelque chose à quelque part. Puis David Briggs, il disait, « Come on, boys, time is beer. » Time is beer, c'est beau ça, incroyable. Puis mais ces gens-là justement, ils se présentent, ils font leur tune, ils ont souvent jamais entendu ta chanson. Vous utilisez le Nashville System, qui est un système pour les musiciens et tout. Puis là, ils font juste suivre ça avec leur instinct musical, en ayant écouté peut-être un genre de bed de quelque sorte qui a des instruments dessus. Là, ils font leur truc. Puis là, après ça, ils s'en vont dans un autre studio faire la même chose pour un autre artiste. Puis il y a des gens qui amènent leur guitare, leur bass, leurs affaires. C'est une industrie wild. Oh, wow. Là. C'est vraiment fou. Puis moi, j'ai tout appris ça à cause de Bob. Moi, dans ma tête, ça n'existait pas, ça. Là. Dans ma tête, c'était dans les films. Puis là, après ça, Bob, il a dit « Non, les films, c'est ma vie. » Ah oh, c'est ça. Exactement, Marc. C'est une machine incroyable, puis c'est encore là, je dis, une éducation pour nous autres, parce que les joueurs comme les Jerry Croon, les Dave Hungate, les Jerry Willis, tu sais, tous ces gros joueurs-là, là, tu payais un frais de cartridge. Ça, c'était la compagnie qui amenait les guitares puis les amplis d'un tel musicien. Puis tu payais du cartridge pour l'autre musicien. Puis ça arrivait à cela, là, en 3-4 camions. Puis ils sortaient à gear, puis sortaient, ils ouvraient les caisses, les guitares sont toutes là. Bon, mais Hungate, il utilise ses 22 guitares-là aujourd'hui. Tu sais? Puis ça marchait comme ça. Puis à 2h après-midi, il y en a un autre ailleurs. Puis il faisait 3 sessions par jour, 6 jours par semaine. Puis là, c'est rendu enregistrer dans une petite boîte rouge qu'on branche dans un USB. Hein, mon Bob, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ben, moi, j'aime croire que on a toi puis Simon puis tu sais ce que vous faites. On a un beau balan aujourd'hui parce que oui, on a la petite boîte puis on a les choses qui ne coûtent pas des milliers de dollars, donc on peut se permettre de faire des enregistrements. Mais on garde aussi des trucs comme cette affaire-là en arrière pour mélanger ça avec toutes les choses modernes, puis garder une profondeur, une chaleur, puis un punch à ce qu'on fait. T'sais. Je pense que les gens qui ont du succès aujourd'hui, si tu vas dans leur studio, ils ont tout un balan de ces choses-là ensemble, tu sais. Ben oui, absolument. Je pense que c'est nécessaire. Puis il y a une autre chose qu'on voit à ton studio, il y a un trophée. Je suis pas capable de voir c'est un trophée de quel prix en arrière à ta droite sur un des speakers. C'est un trophée de quoi, ça? Ah, c'est un... un Félix? Tout bonnement, hein? Un Félix.
Wow. Ça pèse 9 livres, les amis. Ça, dans, je sais pas s'il est fait encore comme ça, mais sont pleins. Puis, un des beaux souvenirs que j'ai d'avoir un Félix dans mon studio, c'est que ma mère, elle ne serait pas contente. Ma mère est décédée en 2013. Elle venait le shiner. Elle venait le nettoyer avec du brass. Pour qu'il soit toujours... Ah, oh, c'est drôle, ça. Ah, oh, elle était fière, évidemment. Ta mère, ben oui. Super, ah, ben fière. Oui, mais... elle était fière. Tu sais, t'es fière. Elle avait toutes mes affaires. Une fois, elle m'avait fait une pause. Je faisais du Foley, tu sais, un petit peu pour, oui, oui, pour c'était des livres parlés. Fait que c'était comme un film sans image. Mm. On faisait tous les sons, la musique et tout ça. Puis j'avais une porte qui était magique, parce que quand on faisait une porte, j'ouvrais, ça faisait... Fait qu'en venant nettoyer mon Félix, ma mère avait amené son huile. Elle a mis de l'huile, c'est pentu. Fait que le producteur arrive cette journée-là, puis on va pour faire les sons de porte, ça fait... Fait que c'est-tu la seule fois que ta mère elle m'a fait take, c'est ça? Ah ouais, elle était bonne. Je la manque encore qu'elle vienne faire ses petites affaires dans mon studio. Ouais, absolument, c'est certain. T'as tellement eu de support de évidemment de tes parents dans ta carrière musicale. T'as commencé jeune. T'as fait de la télé jeune. Moi, je veux parler d'une émission que t'as faite. J'oublie le nom de l'émission, mais tu joues avec plein de sortes d'archets. Tu joues avec entre autres un cintre, un bat de baseball, puis d'autres affaires que je me souviens plus. C'était quoi faire de la télé avec des grands à cet âge-là? Ça, c'était avant qu'il y ait des médicaments pour ce genre de problème-là. Compétition à Shelburne, Ontario, qui était la plus grosse compétition de violon en Amérique du Nord. J'avais gagné la catégorie junior, ça c'était les 18 ans et moins. Et puis, il y avait une classe qui appelait Novelty. Okay. Et Novelty, c'était... Le bonhomme pouvait jouer en faisant des culbutes, il jouait du violon. Ah, OK. Fait que là, les juges le scoraient pour ça, tu sais. C'était la classe de conneries, si tu veux, tu sais. Puis moi, dans mes conneries, ben je jouais ça, avec un bat, puis un support, puis un ci, puis un ça. Puis il y a quelqu'un qui a vu ça, puis on dit, « Hey, on fait un film à Toronto, au Horseshoe Tavern, avec un des icônes canadiens, Stomp and Tom Connors. Oui. » Fait qu'on aimerait ça que... tu viennes, tu sais, participer à ce film-là. Fait que c'est comme ça que je me suis ramassé là. Puis, c'est drôle, hein? Ça m'a payé 300$ pour aller faire ce film-là, plus les dépenses. Mais le gérant de Stomp and Tom Connors, il nous a tous mis comme membre actif de cette production-là. Okay. Fait qu'on a reçu pendant des années, des belles royautés. Mmh. Fait que ça a fini à être pas seulement un projet bien le fun à faire du côté personnel et professionnel, mais financièrement, ça a été super bon parce que ça passait dans les théâtres, ça passait à la télévision à peu près à toutes les 3 semaines. T'sais, parce que c'était Stomp and Tom Connors, que vous connaissez sûrement. Fait que ça a commencé par une farce qui était à rester drôle, disons, de bien des façons. C'est drôle de penser que jouer du cintre, ça t'aurait amené si loin. Fait que bravo, Bob, d'avoir eu ces bonnes idées-là pour pouvoir payer, peut-être t'aider à payer la board en arrière de toi éventuellement. Un canal au moins. Oui, c'est ça. Au moins un des canals. Mais là, tu parles que tes parents t'ont beaucoup encouragé, que t'avais un beau support quand t'étais jeune, mais toi, t'as eu la chance de faire ça avec plein de musiciens de la relève. Vraiment? Marc, t'en es un. Oui. Ce fait avec Adam, ton fils aussi. Fait avec Simon. Puis avec Simon, puis les Boys de Pandaléon, on peut continuer à finir la liste de personnes que t'as influencées. Avec ton magasin, parce que ouvrir aussi, on te connaît aussi, Bobby Lalonde Musique, le magasin que tu as redonné à Long & McQuaid il y a environ un an de ça à cette heure. Parle-nous de la décision d'ouvrir ce magasin-là, puis de l'ouvrir aussi où tu l'as fait dans l'Est ontarien, où il n'y avait pas vraiment de magasin de musique. Tu sais, le magasin, c'est venu parce que à ce moment-là, c'était après les quelques années de swing. Mm-hmm.
Puis Swing, c'était après Bobby Lalonde Band. Oui. Puis on a fait ça intensément. Il y a une année, je pense qu'on a même fait 135 spectacles dans une année. Puis comme vous savez, c'était toujours avion, on s'en va dans l'ouest, avion, on s'en va dans l'est, avion, on s'en va. Fait que c'était toujours beaucoup, beaucoup de routes. Fait que j'étais vraiment tanné, pas de jouer de la musique, j'étais tanné de faire de la route puis vivre dans les valises. Mm-hmm. Fait que j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je fais? J'ai 39 ans, je me pars un magasin. Parce qu'au moins, c'est dans ma ligne, c'est quelque chose que je connais, j'ai de l'industrie. Fait que c'est là qu'on a commencé le magasin. Puis forcément, des jeunes Marc-Antoine, puis des jeunes Simon, puis des jeunes musiciens de la place qui sont bons, qui ont du talent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent acheter des instruments de musique. On s'est tous connus à travers le magasin. Et puis, c'était 22 belles années de 12 ans, 11 ans qu'on a fait avec les Kill. Ensuite de ça, on s'est allé à Hawkesbury pour une autre douzaine d'années. Jusqu'à temps qu'on vende en juin 2023 à Long & McQuaid, où je suis encore employé 2 jours semaine, si ça me tente de rentrer. Oh, c'est excellent ça. Si ça me tente. Ça te fait quoi d'aller de « je suis proprio de la place » à « maintenant je suis employé à temps partiel » Ça fait que je porte un casque. Je n'ai pas 12 000 chapeaux à porter. C'est beaucoup plus facile parce que, tu sais, j'ai pas toute la responsabilité. Mm-hmm. Il y a aussi un système que si un client rentre qui a besoin d'une vis pour sa 1967, on regarde dans le système, puis oui, ah, on a une à Calgary dans le magasin. Ouais. On va la faire venir, puis blablabla. Quand tu es à un magasin unique, c'est comme je dis, tu portes tellement de chapeaux, tellement de responsabilités que des fois, tu veux pas, tu assez faire ton 100%, mais tu vas échapper la balle de temps en temps, puis t'as oublié la vis de ce gars-là, puis tu dors pas ce soir-là parce que le gars t'es vraiment pas content. Ouais. Fait que c'est un bon pas pour nous autres parce que ça simplifie notre vie. La vente comme telle, ce qui était pas seulement nos employés, mais garder leur seniorité aussi. Ouais. Fait que ça, là, puis les gars sont tous des musiciens professionnels, fait qu'ils peuvent aller faire leur spectacle. Simon est en Floride présentement, tel qu'on parle, il n'est pas au magasin. Adam s'en va faire des gigs en fin de semaine, il ne sera pas au magasin. Marc-André a des gigs cette semaine, lui non plus, il ne sera pas au magasin. C'est tout correct. Ils ont des employés, ça marche bien. Tu sais, c'est bon pour les gars, c'est bon pour tout le monde. Mm-hmm. Ça a été vraiment bon pour tout le monde. On l'a dit avec Adam, évidemment, mais le magasin, ça a été pour moi une famille, encore dans mes plus belles années d'avoir travaillé là, mais aussi d'avoir côtoyé les gens, d'avoir connu la relève musicale. Le fait que tu as connu tout ça, ça t'as-tu aidé un peu à garder le jeune en toi allumé musicalement, de voir tout ce qui se passait, de voir que tu pouvais, à ta façon, contribuer à ça, puis d'encourager avec, évidemment, la vente d'instruments puis d'équipements à pouvoir faire ça, mais aussi avec le système de son, avec le studio. Donner des conseils, d'offrir des cours, d'avoir pu offrir tout ça à une communauté. Est-ce que tu le voyais au moment présent, ce que tu étais en train de bâtir, si on veut? On le voyait jusqu'à un certain point, puis il y avait une longue période où ça me, tu sais, c'est moi qui passais beaucoup de mon expérience à ces jeunes-là. Oui. Puis avec les années, même si je suis le plus vieux sur l'équipe, j'ai souvent le cœur le plus jeune, puis le sens d'humour le plus niaiseux. Ouais. Puis, ça, c'est vrai. Mais c'est sûr que je me fais dépasser à certains niveaux, à certains niveaux toujours maintenant, comme Nicolas, comme toi, Marc, comme Simon, comme Adam, comme tout, tu sais, ils font ça plein d'heures par jour. Fait que, mais c'est correct. Je peux encore allumer toutes mes affaires puis faire une session. Mais des fois, j'appelle les jeunes puis je dis, hey, la nouvelle affaire, le nouveau plugin. Voilà. c'est comme. Mais c'est le cycle qui arrive, mais tu sais, j'ai 65 ans. C'est normal que je ne suis pas à la fine pointe de la technologie sur tout. Mais je suis encore confortable avec l'équipement. Ouais, tu te débrouilles très bien, Bob. Tu fais encore plein de sessions pour des gens. Tu te fais appeler. Tu t'es fait appeler encore plus dans les dernières années. Je pense que tu l'avais fait dans le dernier 10 ans parce que tu étais très occupé avec le magasin. Le fait d'avoir du temps, justement, pour pouvoir peut-être faire plus de musique, est-ce que tu as retrouvé un goût à faire ça dans ton studio avec ta belle équipement?
Oui, justement. Puis, t'as absolument raison. Avec les producteurs, qui ça en prend juste un ou deux qui ils t'appellent ou ils t'envoient un message et t'es dispo. Fait que là, tu fais la session. Parce que t'as fait cette session-là, t'en as deux, trois autres, puis t'en fais deux, trois autres, puis c'est le même, ça fonctionne. Fait que oui, je fais plus de sessions-là que j'ai fait dans toutes les années que j'avais mon magasin. Parce que t'es juste pas disponible, tu sais, il y a juste tant d'heures dans une semaine. Oui, oui, exactement. Puis qu'à un moment donné, tu peux pas jouer de la musique puis vendre des vis au monsieur que t'as oublié, tu sais, ça c'est dur un peu, là. Mais Bob, ça a toujours été ça au magasin. Là. Chaque petit détail était super, super important. J'ai l'impression que dans sa vie, c'est comme ça. Des bonnes amitiés que tu gardes avec des gens que tu as joué évidemment avec, mais aussi des gens que tu as rencontrés au magasin. Tu traitais tout le monde comme si c'était ton ami. J'avais l'impression que c'était vraiment ça, puis c'était ça le but du magasin et tout. Chose qui est très... beau, puis qu'on voit pas nécessairement souvent, surtout pas dans un magasin de musique, drôlement. Ça peut être une place assez froide, et chez Bob Dylan Music, c'était très chaleureux. Mm-hmm. Fait que moi, je te dis chapeau sur ça, sur ta carrière. Puis moi, pour la carrière, oui? J'ai une suggestion. Vas-y. C'est presque une demande. C'est vraiment plus une demande. Vas-y. C'est j'aimerais. Les artistes font souvent ça. Des fois, on considère ça kitsch. Ils font le best-of de leur carrière. Puis j'aimerais ça, un Bobby Lalonde best-of qui fait des chansons de Garoulou tout seul. Non, mais tu sais, ou comme c'est vrai que ça serait de sa jeunesse, à cause d'un parcours incroyable, t'as fait différentes sortes de musique à différentes époques aussi. Fait que de replonger dans tes débuts avec tes frères, puis là, de reprendre cette chanson-là, mais tu sais, le mettre à la toigne de Bobby Lalonde en 2024, ça pourrait être quelque chose quand même intéressant. Puis je pense que ça ferait bien des heureux, moi, ouais, en étant un. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'un album, ça te tenterait, Bob, éventuellement? Ben, Nicolas, très bon point. Et est-ce qu'un album, possiblement, on va dire où je suis rendu. Je me suis aperçu que dans mes notes sur mon iPhone, j'ai une soixantaine de tunes pas complétées que je veux enregistrer, tu sais. Mm-hmm. Là-dedans, je veux-tu refaire peut-être des pièces que je tenais à cœur à l'époque, que ce soit avec Garoulou. Je parlais à mes frères, puis j'ai une pièce que j'ai commencé à enregistrer. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'aime ça, ça. Puis là, j'ai dit, hey, les boys, je vais vous écrire un chart, puis je veux que vous veniez jouer sur les 32 dernières mesures de la pièce. Wow. Fait que ça va être la production normale de cette pièce-là. Puis après ça, il va y avoir un crossfade. Puis ça va être vraiment... Je suis le plus jeune de mes quatre frères. Là. Mm. Fait que les gars, ils jouent pas à chaque jour. Mais je les ai donné un petit défi de pratiquer. Puis je les ai envoyé des chord charts. Fait que ça, c'est une possibilité qui va se faire. Le but ultime, je le sais pas. Parce que, comme vous savez... Il n'y a plus de vente de disques et tout en ligne et tout ça. Peut-être que je n'irai pas là, mais ça va être une grande, grande satisfaction personnelle de pouvoir le faire. Puis Nicolas, si ça se fait, ça va me faire plaisir de t'envoyer une copie. Parfait. Ouais, c'est bon aussi. Puis une pour Marc. Puis si jamais, il y a toujours des gens coutus. Ils vendent encore des CD. Oui, c'est ça. Ginette Renault, elle a vu sa vie de ça. Avant des albums des gens coutus. Aux gens coutus, tu trouves de tout un ami puis des CD. C'est ça. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Bob, pour ton temps. Merci d'avoir raconté tout ça. Puis j'ai comme l'impression qu'on va pouvoir faire une partie 2 avec ça pour aller peut-être dans les histoires de tournée, parce que je sais que t'en as pas mal de ça. Fait que on se dit à une prochaine fois. Hey les gars, merci à vous autres. Puis ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Félicitations. C'est la meilleure raison. Puis regardez le succès que vous avez eu. Vous avez plus que 100 émissions. Lâchez pas. On aime ça écouter ça, puis je n'ai manqué quelques-unes, mais je me rattrape tranquillement. C'est parfait. Ils sont là pour ça, justement. Ouais. On peut les rattraper quand on veut. Merci beaucoup, Bob. C'est ça. Merci. À plus, les boys. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Merci, Bobby Lalonde, c'est sûr qu'ils vont faire une partie 2 avec lui. On n'a même pas effleuré les histoires de tournée. Oui, on a juste effleuré la création de bandes qui ont mené à plusieurs tournées. Puis ce qui est drôle de cette époque-là aussi, c'est que le fait qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Rien documenté. Donc, toutes les histoires sont que des histoires racontées. T'as peut-être
un hebdomadaire à quelque part qui écrit une histoire sur Bobby Lalonde. Oui, probablement de tourner de quelque sorte. Mais ça va être positif, ça va être une critique, ça va pas être comme il était sous au bord hier. <C'est ça. rire> Exact, mais c'est vraiment fou de penser que à 39 ans, quand il a ouvert le magasin, il avait déjà eu 30 ans de carrière. C'est ridicule, 39 ans, il dit j'ouvre le magasin, puis c'est quasiment comme s'il prenait sa retraite. Oui, c'était essentiellement. C'est comme, oh, je prends ma retraite, je m'ouvre un magasin, je vais proche de ma famille. Oui, c'est fou, mais avec 30 ans de carrière, combien d'albums à son nom, mettons une dizaine, quinzaine, puis après ça, combien d'albums pour d'autres personnes? 500. Et plus. Et plus, parce qu'il peut pas les compter. Puis il n'a pas le droit de nous dire pour qui il a joué. Ou ça, c'est très drôle. Puis de deux, il se souvient pas de tout non plus. Là. Ça, c'est sûr. Mais moi, je sais que Bob, il se souvient des affaires qu'il dit pas parce qu'il a pas le droit de le dire. J'en ai une couple que j'ai entendue que je trouve incroyable. Mais moi, je vous dirais, dans cette époque-là, si tu entends un violon, il tone bien, il joue bien, c'est Bobby. Parle-moi de ça. Ben, on invite les gens de... C'est pas déjà fait. Allez écouter de la musique de Bobby Lalonde. Oui. Allez écouter du Garoulou. C'est bon. C'est vraiment bon. C'est rare dire que la musique a bien vieilli. C'est vrai, ça vieillit très bien. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il parlait du fait que il y avait tout ça joué à la radio. Il était comme Harmonium, Garoulou. Beau dommage. Beau dommage. Puis j'étais comme, ils ont toutes des tunes de 12 minutes. Dans quel monde que ça jouait à la radio? Ouais. Moi, là, je ramène ça. Et 12 faut minutes juste à radio. Un solo de violon très long. Ben, ça a l'air que je connais quelqu'un, fait qu'il faudrait juste que j'appelle Bobby et dire salut Bob, j'aimerais ça remettre les 12 minutes à radio. Aimerais-tu pas avoir un nom sur un album? Je connais un gars. C'est ça. J'ai clairement pas le budget pour te payer, mais. Hey, sur ce, on se dit à demain, puis on finit la semaine en beauté. On finit le mois de la francophonie en beauté avec un bel homme, faut dire. Vincent. Tu dirais-tu même le bad boy? Je dirais un bad boy. Okay. Fagot Ontarien, Vincent Poirier. Poirier.